Good morning, à l'Aïdan et Jusra aujourd'hui le Nishmat Chaya Esther Bat Miriam ainsi que l'Irfouat Olivier Israël Shimon Ben Chaya Esther, Khamshat Miriam Bat Roselena, Binyamin Ben Chbiba. Betor Shar Chol Israël, si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Misha contactez la 5 minutes éternelles. Nous étudions Maseret Shabbat par Ekrav Dalet, Mishnah Gemel. En Ovsin et Agamal, Velodorosin, Aval Malaitin. En Mamrim et Agalim, Aval Malaitim. Ou Mehalketin et Atarnegolin, Venotnin Maim Lemorosan. אבל לא גוברים. ואין נותנין מים לפני הדבורים ולפני יונים שבשובח, אבל נותנין לפני אווזים ותרנגולים ולפני יוני הרדסיות. Je comprends cette Mishnah en trois sujets. Premier sujet, ça va être le gavage des animaux. D'accord? À savoir, de manière générale, à Shabbat, on a le droit de donner à manger aux animaux, bien évidemment. Comme ce qu'on va apprendre à la fin de la Mishnah, juste à la fin de la Mishnah, spécifiquement aux animaux qui sont à ta charge. D'accord? On le précisera ensuite. Mais en tout cas, on a le droit, bien évidemment, de donner à manger aux animaux. Mais on n'a pas le droit de gaver des animaux. C'est-à-dire, imaginez, on fait de l'élevage pour bien engraisser des oies, ou comme ce qu'on va voir, pour engraisser un chameau pour qu'il soit bien chargé pour pouvoir prendre la route dans le désert pendant longtemps sans avoir besoin de manger. Ou encore des agalim, c'est des petits veaux. Eh bien, je vous pose la directive générale, après on essaiera de traduire ensemble les mots, ça me fait un peu compliqué parce que j'ai pas la terminologie, mais de manière générale, il y a deux manières de gaver. C'est-à-dire, il n'y a qu'une seule manière, c'est de prendre la nourriture et de le forcer à manger, le faire rentrer de force. Mais maintenant, on l'aide, on peut l'aider à rentrer la nourriture dans une partie plus externe, ou encore l'animal peut décider de le recracher, ou le faire rentrer dans plus profond dans la gorge, de manière à ce que l'animal ne peut plus le recracher. De manière générale, là, tu ne pourras pas mettre de la nourriture là où il ne pourra plus le recracher, ce sera sourd, c'est du gavage. Tandis que si tu le mets là où tu favorises la nourriture un petit peu, mais quelque part, c'est lui de son propre gré qui décide d'avaler finalement, puisqu'il pouvait le recracher, tu décides de le mettre plus à l'extérieur, alors là, c'est permis. D'accord? C'est le principe tout simplement de la Mishnah. La Mishnah, maintenant, elle va nous le détailler dans les détails plus. En ovsin et agamal velo dorosin. Alors, ovsin, c'est qu'on fait un evus, une auge, un mangeoire. C'est-à-dire que dans le gamal, c'est le chameau, on lui remplit la panse ou la bosse plutôt. On lui remplit le ventre on en fait une auge à l'intérieur de lui, un mangeoire à l'intérieur de lui. Ça, c'est le mot ovsin, la chambre evus. Yadashor, konehu, vechamor, evus, bealav, il nous dit le pasouk. Velo dorsin, et idem aussi, on n'aura pas le droit de forcer à manger. Toujours, comme nous dit le Bardanoa, dans des endroits, c'est le deuxième, il n'est pas aussi violent que le premier. Le premier, c'est vraiment on la bourre, et le deuxième, c'est juste on la force à manger. Mais toujours dans un endroit, elle ne peut pas rendre, elle ne peut pas le ressortir. Tout ça, c'est interdit. Par contre, à Val Malaitin, on a le droit, par contre, de la laït, c'est de lui donner à manger, de la forcer un petit peu à manger, mais dans un endroit où elle peut décider de le recracher si elle le veut. Mais comme chez Achol Arzir, on peut encore le ressortir, d'accord? Idem encore avec, là on a parlé pour le moment du gamal, du chameau, maintenant on va parler des agalim, le egel, le veau. Ve en mamrim et à agalim, aussi on ne gavera pas des veaux. Aval malaitin. Mais on pourra lui donner à manger, le forcer à manger, c'est-à-dire selon le même principe. Mamrim, c'est un nouveau terme, mais c'est le même principe. C'est qu'on lui met dans un endroit où il ne peut pas le rendre, là ça sourd. Mais si tu lui mets juste tes malaites, tu lui mets dans un endroit où il peut encore le recracher, alors là c'est permis, d'accord? Et idem aussi, ou mehalketin et tarnegolin. Et idem aussi, si tu veux, tu pourras même les coqs, tarnegolin, les poules, les coqs, je ne sais pas exactement. Ouais, ça j'imagine, c'est comme les oies, on les gave. Alors idem aussi, ou mehalketin, c'est qu'on a le droit aussi de le forcer un petit peu à manger, on leur donne. Il est là, on lui tend encore la nourriture pour qu'il la mange, mais toujours on lui met dans la bouche, dans un endroit où il peut le rendre. D'accord? Fin du premier sujet, c'était le gavage. Deuxième sujet maintenant. Venotnin maim la mursan avalogolin. On continue à parler bien sûr des coqs. Et le mursan, c'est le son du blé. On lui donne ça à manger. Et maintenant, l'usage, il était a priori en jour de chol. On le mélange à l'eau et on le mélange. Comme ça, ça fait une sorte de petite pâte. Même si ça ne se prend pas franchement en pâte parce qu'il n'y a pas de. C'est pas collant, c'est pas gluant. Puisque c'est que l'écorce. Malgré tout, ça fait une sorte de pâte un peu plus, qui est plus facile pour manger. Apparemment, ça fait gonfler le coq.
Alors la Mishnah me dit, tu sais, maintenant le Shabbat, tu as le droit de mettre de l'eau si tu veux sur les écorces. Tu as le droit de mettre de l'eau. Mais par contre, Aval lo gavlin, mais tu n'as pas le droit de les gabelles. Les gabelles, ça veut dire les pétrir. Tu n'as pas le droit de les pétrir d'en fabriquer une pâte. Ok? La Mishnah nous dit, en fait, tu le fais avec une œille, tu mets de l'eau dedans, et tu fais en forme de aller et retour, en forme de croix un peu, pour le faire un peu avec béchinouille. Mais tu n'as pas le droit de le fabriquer en vraie pâte, le pétrir, franchement. Ok? Dernier sujet maintenant. On n'aura pas le droit de mettre de l'eau devant les dvorim, les abeilles, et devant les pigeons qui sont dans le pigeonnier. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent chercher leur nourriture et leur boisson ailleurs. Ils peuvent aller boire ailleurs, ils n'ont pas de problème de voler, d'aller chercher de l'eau ailleurs. Tu n'as pas besoin de te fatiguer pour eux, Shabbat. Tu ne te fatigueras pas. D'accord? Aval notnin nifnei avazin. Par contre, on a le droit de donner devant des avaz des canards, vetanegolim et devant des poules. Eux, ils ne savent pas partir voler très loin. Et aussi devant velifne yone hardesiot. Et aussi devant des yone hardesiot, ce sont des pigeons de Hordus. Hordus est un roi qui est élevé chez lui des pigeons spéciaux, je ne sais pas exactement qui s'appelle spéciaux, mais en tout cas, c'était des pigeons de maison. Ils ne savent pas partir très loin. Ils savent rester que sur place. Alors dans ce cas-là, tout cela, puisqu'ils ne peuvent pas aller chercher la nourriture plus loin, alors tu as le droit de leur donner à boire, de leur donner à boire, j'imagine même leur donner aussi à manger. Ça n'a pas été précisé, pourquoi ils n'ont parlé que de la nourriture en fait? Je ne sais pas pourquoi la Mishnah a parlé spécialement du cas de Notnin Maim. Il en va de même aussi pour la nourriture, apparemment, c'est le même principe. Puisque si c'est partir manger à l'extérieur, alors tu ne devras pas te fatiguer pour lui. Tandis que s'il est dépendant de toi parce qu'il ne peut pas aller chercher la nourriture avec ça, alors tu as le droit de le donner à manger, ton œil qui t'appartienne. Ok? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Kol Tuv Salam.